97. Ici Pierre Houle en compagnie de Bertrand Houle et allons tout de suite retrouver Éric Descaries. Merci beaucoup, Pierre. Bertrand, pourquoi a-t-il fallu attendre à Montréal avant qu'on retrouve le Bertrand Godin performant d'antan? Ah, moi, personnellement, je voulais pas attendre Montréal. Je voulais toutes les gagner. Mais disons, Montréal, on s'était bien préparé. Toute l'équipe Players avait fait... On avait fait des très, très bons essais. Donc, on avait découvert des choses sur la voiture. Est-ce qu'on a découvert aussi des choses seulement sur la voiture ou aussi sur Bertrand Godin? Ah, c'est sûr que, personnellement, j'étais bien prêt mentalement. Je m'étais pratiqué sur Grand Prix 2. Et puis, la visualisation était là. Donc, je me sentais vraiment confiant. Et puis... ça a été un mélange de tout, des ajustements, de la recherche sur la voiture qui a fait que ça a fait une explosion à Montréal. Justement, quand on parle de recherche sur la voiture, quels sont les petits trucs qu'on pourrait dévoiler, que vous avez peut-être trouvé à Montréal ou qu'on peut peut-être dévoiler? Vous êtes curieux, vous? Non, c'est pas que je veux pas vous le dire, mais je peux pas vraiment en parler. C'est un peu secret, puis si on donne nos secrets, ça risque de paraître sur les autres équipes. Bon, justement, en parlant des autres équipes, vous connaissez assez bien le circuit de Cleveland. Vous y avez couru, justement, dans la série Indy Light. Donc, je pense qu'on est prêt à aller faire un tour avec Bertrand Godin sur la piste de Cleveland. Nous sommes à bord de la voiture d'Anthony Lazaro pour un tour du circuit de Cleveland. Donc, départ arrivé pour un rétrogradage de la cinquième en première vitesse pour le virage le plus lent du circuit avec une grosse motricité pour la réaccélération sur l'endroit le plus large du circuit. Tellement large qu'on ne voit pratiquement pas la courbe numéro 2 et suffisamment large, j'ai l'impression que tout le groupe puisse passer côte à côte. Complètement, mais ça se resserre pour les virages 3 et 4. Un virage 3 qu'on doit sacrifier un peu aux dépens du 4 pour avoir une très bonne vitesse de pointe en ligne droite. Et on voit aussi encore une fois que la ligne est tellement large qu'on peut faire des dépassements pratiquement sans danger. Ah, complètement. Quelquefois, il peut arriver quelques mésaventures. Copie conforme pour les virages 5 et 6. Et ici, un grand carrousel. On est quasiment toujours en virage. Et ici, on a de la peinture. Ça peut nous jouer des tours en appui. Et là, les retardataires qui, eux aussi, peuvent nous jouer des tours. Surtout que ici, nous sommes sur une longue ligne droite qui donne sur une chicane. Et le freinage, souvent, peut être très chaud à cet endroit. Beaucoup de discipline ici. Et là... Exactement ce qu'on veut voir. Oui, et là, je crois qu'il y en a deux qui en ont manqué de discipline. Donc, grosse réaccélération pour terminer ce tour du circuit de Cleveland, un circuit où vraiment les repères sont très, très difficiles à trouver. Merci beaucoup, Bertrand, et de retour à vous, Pierre. Merci beaucoup, Éric Descaries, à qui on souhaite la bienvenue. Il sera notre correspondant dans la ligne des puits en l'absence de Didier Scranon aujourd'hui. Alors, Bertrand, si nous parlions d'abord d'Alexandre Taliani et de cette belle prestation jusqu'à maintenant. Il y avait deux séances de qualification le samedi. Il a décroché la pole dès la première séance. Lors de la deuxième, il a travaillé sur ses réglages en vue de la course. Très bonne décision. Il n'a eu que le cinquième temps. Mais donc, sa première pole a formé l'Atlantique. Godin, lui, partira troisième sur la grille. Il a eu des ennuis de boîte vendredi et samedi. Ça fait un petit peu peur pour la course. Alors Bertrand Godin, évidemment, gonflé à bloc après ses succès de Montréal. Très à l'aise sur ce circuit. Comme l'a dit Éric, la connaissance des pistes de l'aéroport Burke Lakefront en Indy Lights va l'aider. Il faut rappeler que c'est la première fois que la série Cool Toyota Atlantique s'y arrête. Alex Barron est le meneur actuel au classement, Bertrand. Il sera donc à surveiller. Pilote extrêmement agressif et qui calcule bien également en général et planifie bien chacune de ses courses. Il a 3 points d'avance sur Anthony Lazaro jusqu'à maintenant. Alors voilà donc, tout est en place à Cleveland. Nous serons de retour dans quelques instants avec le départ. Nous sommes de retour à Cleveland et c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Éric Descaries en compagnie d'Alexandre Taliani. Messieurs, cette pole position ici à Cleveland, quelle importance a-t-elle? Bien, c'est important parce que la ligne droite d'arrivée départ est très large. Donc, tout le monde veut profiter de ça, surtout que c'est un départ arrêté. Donc, l'entonnoir va se refermer rapidement, puis je voulais pas être pris dans le paquet, donc c'est important de partir en avant. Et puis aussi, le fait que les temps sont extrêmement proches entre les voitures de la première à la sixième place, il va sûrement avoir des batailles en course. Donc, partir premier, ça va peut-être éviter, toujours en pensant qu'on va réussir un bon départ. Et puis, hier, j'étais quand même un petit peu inquiet après la deuxième séance, je peux avouer, parce que les gens ont amélioré, on se sont rapprochés de mon temps de la première séance. Ils l'ont pas battu, c'était bien, mais là, il a fallu faire un compromis entre les deux ajustements que j'ai essayé hier pendant la journée.
Ça, c'était une autre de mes questions lors de l'annonce de votre pole qui était aussi bonne. Lors de la deuxième séance, votre réaction était un petit peu lente. J'étais content pour la pole position, mais j'étais déjà en train de penser à mes ajustements pour le lendemain. Surtout qu'on n'a pas de réchauffement aujourd'hui, donc c'est un petit peu une espèce de compromis entre les deux ajustements que j'ai essayé hier dans les deux séances. Et puis on va se croiser les doigts, on va espérer que c'est le bon choix qu'on a fait. Et parlant de réchauffement, c'est très, 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 très chaud aujourd'hui. Est-ce que ça aura une incidence sur votre pilotage? Mais là, ils ont rajouté 5 tours à la course, donc on vient de monter à 76 000 pour la course, donc ça va être physique. Merci. Plaisir. Merci, messieurs. Bertrand, il y a eu aussi des changements à signaler aujourd'hui. Il y a deux pilotes qui ont quitté l'écurie Sandy-Dells et qui ont une nouvelle allégeance maintenant. Oui, c'est Casey Montgomery et David Cutler et leur commanditaire Microsoft, c'est important, qui sont rendus chez Binder Racing. Alors, Cam Binder, on le connaît, c'est un pilote canadien. Et on va écouter justement les raisons de ce transfuge. Basically, they weren't happy with the performance they were getting out of the car. And Case tested my car in Shannonville before Montreal, and he was pretty excited about it. It went a little quicker than he did in his own car. And basically, after Montreal, they just decided to pull all their stuff over to our team and went back to San Diego and moved all their stuff up to L.A. and put in our shop. Well, you know, we'd like to look better and finish better on the track, and we think we're going to do that with John and Carlos. We have a great deal of respect for Carlos, and hope to get a little better engineering on the cars and a little better setup and go a little faster and win some more races. On verra si ça va donner des résultats. Il reste que Case Montgomery n'a réussi jusqu'à maintenant que le 9e temps en qualification. Cam Binder a pris le 10e et David Cutler le 22e. Alors voilà les voitures qui sont lancées pour les tours de formation qui vont d'ailleurs se faire, je vous le rappelle, pour la première fois dans l'histoire de la série sur les pistes de l'aéroport Burke Lakefront. Il y a plusieurs gens qui étaient un peu sceptiques au départ sur le caractère inusité de cette piste, mais il reste qu'au fil des ans, on a vu très bien en série card PPG, notamment Bertrand, que ça nous donne des courses très, très spectaculaires et on n'en vient qu'à oublier le côté peu orthodoxe de cette piste. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les pilotes ont le droit à l'erreur. Vous pouvez faire une sortie de piste et normalement revenir dans la course parce qu'il n'y a pas de muret de ciment qui borde ce circuit. Alors, c'est intéressant pour les pilotes. Un peu bosselé, on s'en plein. Sauf Barry, il dit, moi, j'ai fait du motocross dans ma... Oh! Bon, Bertrand, il y a une pièce, là, et c'est une pièce de l'équipe Players Foresight. On reconnaît très bien les couleurs et le commanditaire Indec. Je pense que c'est une pièce de la voiture d'Alexandre Taliani. Alors, ça semble être, quoi, une pièce du capot arrière? Capot moteur. Oh, et on va tout de suite récupérer celle-ci. C'est exactement ça. C'est... le capot moteur qui s'est littéralement détaché. Regardez bien à la reprise. Ouais, il est déjà détaché. Là, évidemment, l'air s'engouffre et la pièce s'en va. Les attaches sont cassées. Oh là là! Là, un autre problème. Alors, c'est numéro 3, Michael David. La voiture complètement enflammée à l'arrière. Et là, on utilise de l'eau. C'est un petit peu bizarre. Hein? Ouais, évidemment, parce que... avec le méthanol, c'est ce qu'on doit faire en kart, mais... Parce que là, ça prendrait plus de la poudre chimique. Alors on a peut-être un peu de misère à éteindre cet incendie. Eh bien, avant même que la course soit lancée, déjà deux rebondissements majeurs, dont surtout cet incident qui touche encore Alexandre Taliani. Michael David a réussi à quitter rapidement la voiture. Et Taliani qui revient vers la ligne des puits. Il roule extrêmement lentement aussi, Bertrand, Alexandre. Il semble avoir eu un problème là, avec peut-être une sélection, un rapport de la bonne vitesse. Quoi qu'il en soit, il va revenir au puits de ravitaillement et devra donc, lorsque la réparation sera terminée, s'élancer dernier de la ligne des puits. Alors ça, c'est encore un coup de malchance épouvantable pour lui. On devrait avoir une pièce de rechange qu'on pourra poser sur la voiture. Où est-ce la pièce défectueuse qu'on a récupérée? Parce que c'est arrivé tout près de la ligne des puits. Quoi qu'il en soit, on va donc faire le travail le plus rapidement possible. Ouais. On va utiliser du ruban, je pense. Oui, parce que les attaches sont cassées fort probablement. Alors on n'a pas le choix. Du ruban gommé. Bon, alors, essayons d'avoir plus de détails dans la ligne des puits en retrouvant notre correspondant Eric. Incident assez dramatique. Juste avant le départ de la course, lors du tour de chauffe, le capot de la voiture de Taliani s'est défait.
On doit remonter le capot très rapidement dans les puits. On ne pouvait pas le faire seul sur la grille de départ. Espérons que ça ne lui causera aucun ennui. Oui, espérons-le. Merci Éric Guindreau de son également, qui semble venir de la voiture. Je ne sais pas si, si c'est très fidèle ce qu'on entend, mais si c'est le cas, ça fait un peu bizarre. Bon, alors, évidemment, c'est une réparation qui a l'air un peu artisanale, mais comme l'a dit Éric, on n'a pas de temps à perdre et on doit tout simplement... Oh, c'est intéressant, Pierre, les voitures sont immobilisées sur la grille. Oh, départ retardé. Oui, départ retardé, je pense qu'on a l'explication. Les feux ne fonctionnent pas, Bertrand. C'est ce qu'on nous dit. Les feux qui servent au départ, l'ancien de cette course ne fonctionne pas. Alors, il a décroché le meilleur temps en qualification, mais devra peut-être partir dernier. Alexandre Taliani avec Mimmo Gidley, qui sera à ses côtés. Excellent pilote de l'écurie Lynx. Bertrand Godin, qui, selon Michael Andretti, occupe la meilleure position pour un départ à Cleveland, c'est-à-dire la troisième. Et Joao Barbosa, cette jeune sensation portugaise, 21 ans seulement, partira aux côtés de Bertrand en deuxième ligne. Il est toujours à surveiller, bien sûr, excellent pilote Anthony Lazzaro, qui partira cinquième, et Alex Barron, donc les deux voitures Lynx dans les six premières au départ. Jared Schrader, pilote d'expérience, et à Cleveland aussi, évidemment, partira septième. David Pook, ce Californien de 25 ans, partira à ses côtés en quatrième ligne. Case Montgomery, donc, avec la nouvelle écurie de Cam Binder, une nouvelle écurie pour lui, bien sûr, il partira cinquième. Et le responsable de sa venue là-bas, Cam Binder lui-même, sera à ses côtés. On retrouve par la suite Robert Solenskog et Chuck West. En septième ligne, Tony Harvey, Léo Parenté, donc de bons pilotes en milieu de plateau également. Steve Knapp, toujours très rapide avec Eric Lang. Le Canadien Kenny Wilden sera là avec Michael David, qui n'y sera plus en raison de cet incendie à bord de sa voiture. Tague et Saley seront là en dixième ligne. En onzième, DeSoto et Cutler. En douzième, Sortica et Harrington. Bob Thomas et Michael Simpson seront là par la suite. James Irvin et Dave Hall en 14e ligne. En 15e, Howie Liebengood et George Fraser. Il y a donc 30 voitures au départ et allons tout de suite à Eric pour des nouvelles fraîches. Dans sa malchance, Tagliani est un peu chanceux quand même. On lui a accordé sa position de départ telle qu'elle était au tout début. Donc l'incident, j'ose espérer, sera clos. Tout simplement, on a vu le capot se soulever lors du tour de chauffe, tout simplement parce que les agrafes semblent s'être détachées du côté gauche du capot. Bien, merci alors, beaucoup. On a recollé le capot et on retournera la voiture sur la grille de départ à sa position. D'accord. Bien, merci beaucoup, Éric. Hey, que de bonnes nouvelles pour Alexandre Taliani, Bertrand. Très ça chanceux. Ça ne rappelle pas un certain Jacques Villeneuve en Amérique du Sud, au début de la saison, au Brésil. Oui. Départ avorté en nuit avec les feux qui servent à effectuer le départ lancé, départ arrêté plutôt, pardon. Alors, les voitures sont retournées sur la grille. On a fermé les moteurs et ça permet à Taliani de reprendre sa place. Qu'il n'aurait pas pu faire, Pierre, comme vous l'aviez dit, si on avait... continuer à rouler sous un drapeau jaune. Alors, très chanceux. Oui, remarquez qu'il aurait pu remonter le peloton. Ça se fait quand même avec les vols, particulièrement aux dépens des pilotes moins expérimentés ou des voitures C2, par exemple. Mais, c'eût été difficile pour lui de rejoindre les 4 ou 5 ou 6 premiers, là. Parce que c'est quand même pas une course qui est aussi longue qu'une course de la série Card PPG. On sait qu'on va assister donc maintenant à une course qui a été prolongée de 5 tours au total. Oui, parce qu'on a mesuré à nouveau la distance du circuit. Un peu plus courte que ce qu'on avait mesuré au cours des années précédentes. On sait qu'on a un nouveau système Omega de chronométrage. Alors, donc, on a rajouté 5 tours. Bon. Alors, on semble indiquer qu'on est prêt à donner le départ. Je pense qu'on a corrigé la situation. Ces feux qui ne pouvaient s'allumer. Alors, dans quelques instants, on va refaire un tour de formation et par la suite donner le départ de cette épreuve de Cleveland. Taliani qui disait sur le circuit, c'est comme conduire dans le désert, c'est très plat, on voit rien. Évidemment, c'est les repères. Tous les pilotes ont mentionné difficulté de trouver des repères pour trouver des points de corde quand entamer la séquence de freinage et d'entrée en virage. Alors, on peut le voir, il fait très, très chaud. Il y a une vague de chaleur qui frappe, plus que le centre des États-Unis, mais de l'est jusqu'au centre. Oh, Taliani est coincé au départ! Oh, il ne peut s'élancer! Alexandre Taliani ne peut s'élancer pour le tour de formation. Et il est toujours coincé là. Ben, je ne sais pas si ça a rapport avec ce drôle de bruit qu'on entendait, Bertrand, mais on se doutait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec la voiture. Toujours coincé, tout seul.
à l'avant de la formation de l'épreuve. On va devoir repousser la voiture d'Alexandre Taliani vers la ligne des puits. Heureusement qu'on réussit à le faire. Éric, est-ce que vous avez d'autres nouvelles pour nous? La malchance semble s'acharner sur Alexandre Taglieni. Sa voiture n'a pas pu démarrer sur la grille de départ. On entend un drôle de son de la boîte de vitesse en arrière. Quelque chose qui semble venir de l'arrière de la voiture. Les mécanos ont été chercher la voiture. Bon, ben merci, Éric. Ben, on peut s'imaginer facilement l'incidence sur le classement. Voilà ce que ça donne avant l'épreuve d'aujourd'hui. 3 points d'avance seulement pour Barron sur Lazzaro. Gidley suit à 53. Et là, Alexandre va encore rester coincé à 50 points. Et Bertrand Godin n'en accusait que 2 de retard sur lui. Alors, c'est vraiment un dénouement malheureux et catastrophique, je pense qu'on peut le dire comme ça, pour Alexandre Taliani. Alors, donc, il y a une place libre devant Bertrand Godin. Voilà le feu rouge qui s'allume. Le verre est donné et on roule à Cleveland et ça va bien pour Bertrand Godin. Bon départ pour lui qui à l'intérieur par rapport à Mimmo Gidley qui a été déporté largement. Attention à Barboza, à Lazzaro également et Bertrand Godin va négocier le premier virage en première position tout de suite suivi de Mimmo Gidley. Eh bien, un pilote de talent et d'expérience comme Bertrand Godin, on ne donne pas 2 fois une chance comme celle-là. Il avait l'ouverture laissée libre par l'abandon de son coéquipier. Il en a exactement profité comme il devait le faire. Et tout le monde est passé au virage 1, ce qui est un peu une surprise. On sait qu'on est très fougueux en Formule Atlantique, mais on était disciplinés aujourd'hui. Oh, superbe manœuvre. Godin, Gidley, Barboza, Lazzaro, Alex Barron par la suite. David Fouque, quelle belle bagarre impliquant Case Montgomery par la suite, qui vient de voler une place à Jared Schrader. Tony Harvey est là dans le coup également, tout près derrière ce groupe. Superbe spectacle au premier tour de roue à Cleveland. Là-dessus, d'autres nouvelles à propos d'Alex. Alexandre Taglieni n'a pas pu prendre le départ. Sa voiture est dans les puits. On ouvre justement la boîte de vitesse. Fort possiblement que le problème se trouve à cet endroit. Merci beaucoup, Éric. Oui, c'est visuellement, en tout cas, très malheureux encore. Et j'ai l'impression que le pauvre Alexandre va devoir faire appel à tout ce qu'il peut y avoir de philosophie pour accepter encore ce mauvais coup du sort à Cleveland. Voilà tout le train de voiture mené par Bertrand Godin qu'on aperçoit devant Mimmo Gidley, Joao Barboza. Et je cherche un petit peu derrière, légèrement en repli, Lazzaro et Alex Barron. Et là-dessus, on nous dit que Éric Descarrés est en compagnie d'Alexandre Taliani. Alexandre, incroyable coup de malchance. Ça semble être la boîte de vitesse. Est-ce que ça va donner des signes tout à l'heure dans le tour de chauffe? Dans le dernier virage avant de faire le deuxième tour de chauffe, il y a eu un drôle de son qui est apparu dans la boîte de vitesse. Puis je pouvais plus rentrer les vitesses. Puis je suis bien hâte de voir ce qui est arrivé parce que on avait fait un choix de changer quelques rapports avant la course. Donc, Et puis le capot qui s'est levé juste avant d'attaquer la courbe tout à l'heure? Ouais, je sais pas ce qui arrive là. C'est malheureux. Il doit pas avoir grand monde à blâmer parce que depuis le début de la saison, tout va bien. Et puis là, 2 malchances en ligne. Il va falloir travailler fort pour reprendre des points au championnat. Merci. Ça fait plaisir. Oui, on peut comprendre sa déception. Il en a 1 point d'accumulé au cours de ce week-end en vertu de la pole position, mais c'est tout. Alors, ça fait vraiment 2 week-ends, 2 courses consécutives là où il n'y a pas de récolte significative. Et dans une course, dans une saison aussi courte que 12 épreuves, Bertrand, c'est assez catastrophique. D'autant plus, c'est des ennuis mécaniques. Hein. Ce n'est pas des erreurs de pilotage ou des accrochages, des incidents de course. C'est vraiment 2 bris mécaniques, 2 20 semaines consécutives. Et pour Bertrand Godin, ça regarde de très bien encore. Voilà la lutte pour la 4e place. Lazzaro tout juste devant Alex Barron. Barron qui a réussi à garder la voiture en piste, mais là, part en tête à queue après avoir mis 2 roues sur la pelouse. Mais il revient après avoir perdu quelques places. Mais quand même, il a réussi à garder la piste à Cleveland. Wow! Oh, il est 9e, Pierre, alors qu'il roulait en 5e place, mais quelle belle maîtrise quand même. Oh. Ça, il fallait le faire, hein, quand même. Et là, regardez Montgomery et Pouk encore, l'un derrière l'autre. Barron qui veut revenir le plus vite possible, directement sur Schrader. Oh, c'est à l'accélération vers le virage numéro 1. Qui aura le dessus. Parfois, il vaut mieux avoir l'extérieur et on voit que Barron réussit même de façon très propre à passer. Et là, c'est David Pouk qui a des ennuis. Il a complètement perdu la moustache avant de sa voiture. Eh bien, 2 incidents coup sur coup qui viennent d'apporter une modification assez importante à la course.
Qu'est-ce qui s'est passé avec David Pau, qu'on le voit là, qui arrive à le virage numéro 1? Oh. On dirait que c'est l'aileron avant qui a cédé, qui est passé sous ses roues et qui l'a mis en tête à queue. Parce qu'on a vu la voiture, le devant de la voiture se soulever légèrement. On dirait que c'est son aileron avant qui s'est détaché. Oui, peut-être à la suite d'un contact préalable. Oui, peut-être. Et on va revoir ce qui s'est passé dans le cas de Barrett. Oui, trop large en sortie de virage. Sous virage, oui. Hein? Sur la partie poussiéreuse de la piste, hors de la trajectoire normale des autres voitures. Donc, pas en tête à queue, mais bien récupéré, regardez. Il n'a perdu que 4 positions. Oui, et puis déjà, il en a repris une au virage numéro 1 sur Jared Schrader. Alors, ça ne change pas à l'avant. Godin, Kidley, Barbosa, voilà Lazzaro qui est tout seul. Oh, encore un autre incident majeur. Sortie de piste violente. Voiture numéro 8, Robert Swalenskog. Oui, il est allé s'écraser du côté gauche dans le seul mur de ciment qu'il y a sur cette piste. C'est lorsque les voitures reviennent vers le S qui est tout juste devant les puits. Alors, semble-t-il, il est sorti trop large, il est allé frapper le mur du côté gauche. Eh bien, décidément, il n'y a pas de répit, hein. Et on n'a fait que quelques tours jusqu'à maintenant. On est au début du troisième tour, là, oui. À la fin du troisième tour. Bon, regardez ces traces qui font un peu peur quand on les voit, hein, Bertrand, directement dans le muret. De protection. On voit une roue arrachée, une roue arrière arrachée. Il faut espérer que Swalenskog n'a pas été frappé trop violemment. Drapeau jaune complet, on peut le comprendre, parce que la voiture est dans un endroit qui est vraiment nécessaire là, pour la sortie du virage, nécessaire qu'elle soit bien libre. Alors, il vaut mieux, en toute prudence, annoncer la neutralisation de l'épreuve. Oui, on n'a pas vu Swalenskog sortir de sa voiture non plus. Non. Alors, l'équipe médicale devra se rendre sur place pour la procédure de sauvetage. Hein. On sait qu'il faut prendre son temps, il ne faut pas paniquer. Il faut installer souvent un collier cervical, peut-être une planche dorsale pour le sortir de sa voiture. Ne pas aggraver ses blessures, c'est l'objectif numéro un. Alors, on voit le côté gauche. Il n'y a plus de roue sur le côté gauche incroyable. De la voiture. Parce qu'il a frappé très fort. Oui, bon, heureusement, on va bouger la tête, là. Donc, conscient sur Swalenskog. Probablement sérieusement sonné. Et espérons que ce sera tout. Alors qu'on voit la voiture d'intervention qui attend de traverser la piste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est loin derrière. Alors, attendons voir. Est-ce qu'il est parti en tête à queue ou il est sorti tout simplement trop large pour aller s'appuyer contre le mur? Ah, je pense que c'est ça. Passe droit presque. Ah, hein, oui, il y a un bris de direction aussi ou quelque chose du genre. Et ça s'ajoute alors qu'on voit David Pook qui est en train de faire la conversation avec un photographe. Là. Ça s'ajoute, ça, Bertrand, à une série d'incidents qui, tu te rappelles, avaient marqué l'épreuve présentée au Grand Prix Players du Canada à Montréal. David Pook et Swalenskog, entre autres, avaient été impliqués dans toutes sortes d'incidents. Alors, il y avait d'abord eu ces bagarres au départ. Oui, Godin est bien parti, mais Montgomery va jouer du coude un peu dans le virage. Regardez ça. Voyez-vous, Godin qui est obligé de changer sa trajectoire. Et en plus, Montgomery qui vire très large, tente un peu de nuire à Godin, et d'ailleurs qui est tombé troisième. C'était tout juste à la limite du fair play. Hein? Je pense que la revanche est arrivée assez rapidement, ce que Godin a dépassé. Regardez, il roule sur la partie poussiéreuse, ici à Montgomery. Bon, ben moi, je vais prendre la trajectoire de course. Tu me laisses passer. Alors, on a joué du coude encore. Là, c'est Chuck West qui est arrivé beaucoup trop rapidement derrière Barbosa. Raté son freinage, a heurté derrière de la voiture du jeune Portugais qui faisait une très belle course. Oui, et puis il y a eu par la suite un geste très peu sportif de la part de Robert Swalenskog sur David Pook. Voyons ce qu'en pense le commissaire-chef. I've already had personal talks with the people who were involved in that, and we'll talk about it again at the drivers' meeting today, and we've got to stop that. On ne peut pas malheureusement empêcher les incidents comme celui-là, les incidents de course, mais le caractère sportif, on peut directement l'influencer. On sera de retour dans quelques instants. Nous sommes de retour à Cleveland, 8 tours de complétés, toujours sous le drapeau jaune, complet Godin, Gidley, Barbosa, Lazzaro, Montgomery. Rappelons l'abandon d'Alexandre Taliani avant même le lancement de l'épreuve. Alors, on a réussi finalement à dégager Robert Swalenskog de sa voiture. Comme l'a dit Bertrand, il n'y a pas de chance à prendre, on y va toujours très lentement et délicatement. Vous avez vu qu'on a aussi utilisé un collet là autour du cou pour être bien sûr les vertèbres soient bien immobilisées lors du transport vers l'infirmerie et vers l'hôpital. Alors quand même, des nouvelles rassurantes dans le contexte pour Swalenskog. Essayons de revoir, Bertrand, ce qui s'est passé. Oui, il est allé frapper trois quarts avant, donc il n'est pas parti en tête à queue. Possiblement trop large en sortie de virage, roule sur la partie poussiéreuse de la piste, moins d'adhérence et il n'a plus contrôlé sa monoplace.
Alors voilà, on roule à bord de la voiture d'Anthony Lazzaro. Vous voyez que les pilotes font toujours la même chose, hein, garder les pneus en température le plus possible. On fait osciller légèrement la voiture vers la gauche et vers la droite. Lazzaro qui est fait une... Wow, oh! Qu'est-ce qui se passe avec Lazzaro? Oh, a réaccéléré trop tôt, Pierre. Parti en tête à queue sur une neutralisation. Oh! Il n'aimera pas se revoir à la télévision, mon cher Bertrand. Il a perdu des positions et il devra garder la place qu'il occupe au retour, en principe. Et pourquoi nous ne pas en profiter pour en savoir un peu plus long sur la carrière de Bertrand Godin? Après avoir acheté mon kart en cachette, j'ai débuté ma carrière en 1986 pour 6 saisons fantastiques dans cette discipline. Et j'ai joint par la suite le volant Max Auto en France qui m'a permis d'évoluer en Formule Ford en 1992, 93 et 94. 3 saisons fantastiques. Suite 5 victoires et 2 titres de vice-champion de France en Formule Ford. J'ai pu joindre les rangs de l'écurie Players en remplaçant Claude Bourbonnais aux côtés de Greg Moore. 2 saisons en Indy Light, 95-96, où j'ai effectué 4 épreuves à chaque année. Me voici maintenant en Formule Atlantique et le meilleur est à venir. Lors d'une courte entrevue, Bertrand Godin nous a confié un petit secret de sa vie, un petit secret privé. Saviez-vous, il avait déjà été faire quelques essais en ovale à la piste de Saint-Eustache. Un soir, il avait été se faufiler au travers d'un groupe de course entre amis et puis il avait participé à la course incognito. Croyez-le ou non, vous vous en doutez, il a gagné cette course. Il a été chanceux parce qu'on ne l'a pas reconnu lorsqu'on lui a remis les trophées, sauf qu'il était très, très, très embarrassé lorsqu'il a voulu expliquer à quel groupe il appartenait. On reconnaît bien là l'humour de Bertrand Godin. On voit Anthony Lazzaro 4e encore après 10 tours. Ça me semble un petit peu bizarre dans la mesure où, sous un drapeau jaune, on n'est pas supposé, Bertrand, améliorer sa position. Par contre, si on en perd quelques-unes, là, on est pénalisé d'autant. Alors, il semble qu'on ait fermé les yeux sur ce qu'a fait Lazzaro. Les voitures qui sont toujours là. Voici l'adresse Internet du site de la série Cool Toyota Atlantique. Et si vous voulez parler aux pilotes Players, vous pourrez le faire via le clavier électronique samedi le 19 juillet pendant l'épreuve Atlantique, dimanche le 20 juillet pendant l'épreuve Indy Lights et dimanche le 20 juillet également à 14h15 pendant l'épreuve de la série Kart PPG. Tout ça en marge du grand week-end à Toronto, en marge du Molson Indy. Alors, à vos claviers, prêts et tapés. Voilà. Les voitures qui se suivent à la queue-leu-leu, c'est toujours donc derrière la voiture de sécurité. Effectivement, bien, on voit Lazzaro 4e et lorsqu'on roule sous les drapeaux jaunes, interdiction de dépasser, donc je pense qu'il a oublié un règlement. Il faudra voir à la fin de l'épreuve quelles sanctions on pourra prendre contre Lazzaro. Il avait perdu quoi? Quatre positions environ? Cinq positions. Cinq positions. Oui. Bon, alors on accélère. On est prêt à relancer l'épreuve. Godin qui est tout de suite directement menacé par Gidley. Il y a également Barbosa qui est là. Le verre est donné. Et attention aussi à l'intérieur. Regardez Case Montgomery. Est-ce qu'il a l'avantage sur les 3 autres? Oui, Montgomery qui va prendre la 2e place en autant qu'il garde assez de vitesse pour s'y maintenir. C'est exactement ce qu'il fait. On est très heureux du côté de son équipe. Et le perdant, c'est Juanjo Barbosa jusqu'à maintenant dans cette relance de l'épreuve. Et regardez Montgomery avec Lazzaro. Il vient reprendre la place qu'il lui avait arrachée au premier virage. Lazzaro qui est immédiatement mise à l'épreuve par Mimmo Gidley. Avez-vous vu la relance de Godin dans le dernier virage? Il a freiné, tout le peloton s'est regroupé derrière. Oh, dépassement ici. Oui, c'est Gidley qui reprend sa place devant Lazzaro. Alors, Godin qui a freiné dans le dernier virage et puis a réaccéléré soudainement. Ça lui a assuré une belle arrivée seul dans le premier virage, pas de problème. Ça s'est passé en arrière. Et wow! Alors là, on roule sur le produit absorbant qu'on a mis à l'endroit où avait lieu l'accident de Solenskog. Il ne faut pas s'en faire avec cette poussière. Regardez Barbosa, voiture blanche, là, il était 3e. Oui, mais regarde Tony Harvey qui se présente à l'intérieur et qui vient de lui voler une position. Alors, il y a plusieurs pilotes qu'on n'avait pas nécessairement vus lors des 3 premiers tours. Il a soudainement reviennent parmi le peloton de tête.
Et là, c'est toujours Montgomery avec Mimmo Gidley. C'est côte à côte au virage 1, c'est presque touché. Gidley pourrait peut-être reprendre l'intérieur. Il était déjà un peu en dérapage. Et là, il y a Lazzaro derrière immédiatement. Alex Barron qui est remonté, donc il avait glissé en 9e position après son tête-à-queue lors du deuxième tour de l'épreuve. Eh bien, ça change rapidement à Cleveland. Ce qui ne change pas cependant, c'est l'avance qui est en train de se donner Bertrand Godin en tête de cette course. Oui, sur les pistes de l'aéroport Berkeley-Front. Pardon, de cette bagarre pour la deuxième place. Évidemment, tout le monde regarde un peu avec ses rétroviseurs ce qui se passe derrière. Il faut regarder devant. Tout le monde essaye de se dépasser dans tous les virages. Comme une superbe bagarre pour la deuxième place. Ah oui, et à Cleveland, hein, bon, ceux qui découvrent la piste pour la première fois, et c'est le cas d'à peu près tous ceux qui sont là présentement, au bout de quelques tours, on se sent très en confiance, dit-on, parce que c'est très large, c'est très ouvert, et on peut parfois se laisser aller à quelques fantaisies. Regardez encore cette lutte qui vient de permettre à Barron, là, de passer à l'intérieur de Lazzaro. Attention, Tony Harvey qui a presque perdu le contrôle, et Barboza qui veut en profiter. Côte à côte avec Harvey maintenant. Et regardez Schrader également à l'intérieur. Qui aura le dessus parmi ces trois-là? C'est peut-être Barboza en revenant sur Schrader. Oui, c'est ce qu'il réussit à faire. Vous avez vu la beauté du virage 1. Trois trajectoires différentes selon qu'on veut privilégier l'entrée ou la sortie de virage. Et regardez, trois de large. Ah oui, encore Harvey, Barboza, Schrader. C'est Harvey pour l'instant, Barboza par l'extérieur. Et Chuck West maintenant qui arrive dans cette lutte à quatre. Oh, Barboza encore à gauche, à droite, cherche par tous les moyens à reprendre la place que Tony Harvey lui a volée. Trop large, Barboza. Ah oui, mauvaise sortie de virage et Schrader en profite pour passer et Chuck West également. Petite erreur, témérité un peu trop grande qui vient de lui coûter trois positions. Alors c'est ça que les Bleus. La moindre petite erreur vous fait perdre instantanément quelques places. Et regardez les deux pilotes de l'écurie Lynx. Il y a d'abord Gidley, Barron par la suite. Alors, on a beau être coéquipier, on est aussi dans une lutte au championnat des pilotes. Barboza était troisième avant la relance. Il est neuvième. Absolument incroyable. Là, il veut remonter sur Chuck West. West qui, de façon bien évidente, lui ferme la porte complètement en allant à gauche et à droite. Barboza, donc, la grande victime de la relance de l'épreuve. Alors, il n'avait pas tort, Alexandre Taliani, quand il a dit à Cleveland, bon, de toute façon, il est mieux être devant. ça évite bien des problèmes, ce que nous trouve d'ailleurs Bertrand Godin. Là-dessus, nous allons faire une pause, nous sommes presque à la mi-course. À tout de suite. La stratégie de course, c'est tout simple. C'est premièrement finir les courses. Je pense que pour gagner, il faut finir. Donc, la première règle s'applique. Deuxièmement, bon, ça va être intéressant. Il faut connaître ses adversaires. Ça, c'est drôlement important parce que des fois, on peut se dire, bon, on va le doubler. Et on prend un risque en le doublant, sachant que, bon, quelques tours plus tard, lui, il peut sortir de piste. Donc, il s'agit de bien connaître les pilotes, de connaître sa voiture, de savoir que, bon, la voiture ne va pas trop détériorer pendant l'épreuve. Donc, ça y fait énormément. Mais la plus grosse stratégie, c'est de terminer l'épreuve dans les points pour espérer être premier au championnat à la fin de l'année. Retour sur les pistes de l'aéroport Berkeley-Front à Cleveland. Bertrand Godin qui mène depuis le début cette épreuve de Cleveland. Il a négocié le premier virage en tête et il s'y maintient depuis ce temps. Case Montgomery, ben ça c'est la grande remontée jusqu'à maintenant. La belle histoire de cette épreuve. Partie 9e, il roule 2e maintenant. Et il a derrière lui les deux coéquipiers chez Lynx Racing. Mimmo Gidley dans un premier temps, Alex Barron, Lazzaro et Harvey suivent par la suite
dans l'ordre. Oui, c'est important cette course pour Montgomery. Il est sixième au classement. Il a besoin de résultats. C'est sa troisième saison à l'Atlantique. Il dit, j'espère que ça va être ma dernière. Je veux monter en Formule Indy. Alors, il a besoin de bons résultats. Et pour l'instant, ça va bien avec Cleveland. Godin, on a vu un petit profil de carrière. Moi, je veux mentionner, il a connu des années de vache maigre. Ses années en France, il ne mettait pas grand-chose sur son pain, lui, lorsqu'il mangeait. Il restait, il vivait de façon très modeste. Et seulement quatre courses lors des deux dernières années, quatre courses à chaque saison. C'est pas beaucoup, ça, pour développer son talent de pilote et rester affûté. Alors, bravo Godin, sa victoire à Montréal. Il mène maintenant à Cleveland. Ça n'a pas été facile. Il le mérite, là, ce qui se passe pour lui. Parce qu'ils n'ont pas été légion, les pilotes québécois, à aller tenter là-bas. On se rappellera, le premier aura été Bertrand Fabie, finalement, qui avait été remarquable en Formule 2000 britannique, ce qui lui avait valu d'ailleurs un volant en Formule 3, jusqu'à ce que, malheureusement, il trouve la mort en essai privé. Mais c'est peut-être en bout de ligne ce qui a inspiré l'autre Bertrand Godin, celui-là. Alex Barron, qu'on aperçoit en troisième place maintenant devant Mimmo Gidley, tout juste derrière Case Montgomery, fait l'objet d'un suivi très sérieux de la part de Bobby Rahal, qu'on a rencontré un petit peu plus tôt aujourd'hui. I like Alex, and I think he's, he's been successful in everything he's done, and really, I've been trying to help him in certain ways. There's not a lot I can do, but give him advice if nothing else. So but I like the job he does, and he's just a good young man. Would you see him in kart? Well, you never know. One day, maybe. But I think he needs more time, and who knows what the future holds. Ils ont de la misère à accéder à la Formule Indy, les pilotes américains. En début de saison, il y avait Paul Jasper, qu'on avait vu en Formule Atlantique, qui n'a fait que quelques courses. Il n'y a plus là de jeunes pilotes américains en Formule Indy. Il faut l'aide de ses directeurs d'écurie, Bobby Rahal, qui, ancien pilote, peut maintenant aider la relève. Oui, je pense que ce qu'il y a d'intéressant aux États-Unis, on voit petit à petit l'importance qu'il y ait le développement d'une filière, comme on a vu ici au Canada avec le programme de développement des pilotes players. Je pense que, par exemple, la compagnie Cool est en train de le faire avec Barry Green, entre autres, et toute une filière qui va se développer jusqu'à la série kart. Là, on aperçoit Chuck West et Anthony Lazzaro. Derrière, c'est Tony Harvey et Barboza qui se sont presque touchés. Barboza qui a bloqué les roues légèrement à l'amorce du virage vers la droite. Alors, West également semble absolument survolté. Et là, attention, il se présente à nouveau à l'intérieur de la position de Tony Harvey. Barboza, qui doit le voir derrière, doit dire « Oh non, pas encore Montréal ». Là-dessus, on va s'arrêter et nous serons de retour dans quelques instants à cette course de Cleveland. Ça s'en vient à grands pas, le Grand Prix Players de Trois-Rivières. Voici les numéros de téléphone pour vous procurer vos billets le 1, 2 et 3 août prochain. On a bien hâte d'y être, notamment pour assister au troisième segment du Challenge Players de Formule Atlantique. Alors, avec Anthony Lazzaro, voilà le classement. Après 18 des 30 tours, Godin, Montgomery, Barron, Gidley, Schrader, mais les luttes sont absolument extraordinaires, notamment Barboza, Chuck West, Tony Harvey et Lazzaro, qu'on voit un peu plus loin. Tous ceux-là nous donnent un spectacle extraordinaire. Là, on roule avec Eric Lang. Il est 13e. Lang qui était parti en 15e position. Et oui, sa tête bougeait énormément lors de la transition là, entre les différentes portions de la piste. Et là, on revient encore à cette lutte entre les deux pilotes de l'écurie Lynx. C'est Mimmo Gidley maintenant qui vient de reprendre sa place devant Alex Barron, tout juste derrière Case Montgomery. Alors, il y a au moins une chose, c'est que la lutte entre les deux coéquipiers se fait proprement jusqu'ici. Oui, je me souviens d'en passer avec Carpentier et Schrader. Chez Lynx Racing, on disait « Vous pouvez vous bagarrer, tout ce qu'on vous demande, c'est éviter les accrochages. » Celui-là, c'est Léo Parente, qui, semble-t-il, vient de voir sa journée de travail se terminer comme ça, hors piste. Parente qui occupe une position qui ne gêne pas les autres voitures pour l'instant. Alors, beau réflexe de sa part que d'avoir réussi à prendre un peu de distance par rapport à la piste. Oh, là, c'est Gidley qui est tout près de Case Montgomery maintenant. Gidley, on le sait, il est très agressif. S'il y en a un qui peut donner une lutte à un pilote, c'est bien lui. Le voilà côte à côte maintenant dans la longue portion rapide. Qui sera en tête à l'entrée du virage? C'est Gidley qui est là pour l'instant. Montgomery, qui va peut-être vouloir reprendre la place qu'il a perdue au virage numéro 1. Oh, il a été comme un peu tassé par Gidley, là.
Oh, encore une fois! Est-ce que Barrett va pouvoir en profiter à l'intérieur? Barrett qui est là. Gidley qui a été touché par Barrett! Oh, Gidley a vu sa voiture soulever dans les airs. Et est-ce que c'est terminé pour lui ou s'il pourra revenir en piste? Oh, Gidley qui veut reprendre un peu de terrain perdu. On revoit au ralenti. Oui, Gidley qui tourne comme si Barron n'était pas là. Je pense qu'il était tellement préoccupé par Montgomery à sa gauche qu'il n'a sûrement pas vu son coéquipier qui tentait de lui faire l'intérieur. C'était vraiment côte à côte. Hein, un accident typique de Cleveland. Oui, alors regardez ça. Alors Gidley très préoccupé par Montgomery. Il tourne, mais faisait que Barron a viré un peu large aussi. Hein. Peut-être qu'il est arrivé un peu trop vite aussi sur les fins. Oh, et le petit sourire sur le visage de Peggy Hawes, je pense, est doux amer. Hein. En tout cas, Bertrand Godin, lui, n'est toujours pas menacé. Et c'est le juste retour des choses pour lui lorsqu'il s'est emparé de la position de commande. Au départ, eh ben, il a eu une piste libre continuellement devant lui. Gidley est reparti 13e, Pierre. Oh là là. Oui, c'était. Je pense que c'est ça que ça voulait dire, le petit virage. On a vu de la fumée derrière la voiture de Chuck West. On verra s'il y a un problème de ce côté. Lazzaro voit Barbosa là immédiatement derrière lui. Alors, tous ceux-là nous donnent encore le même genre de lutte. Hein. Tout juste derrière, c'est AV, Chuck West. Soudainement, il y a beaucoup de fumée, là, ou de poussière. Ouais. Barbosa directement dans l'aileron arrière de Lazzaro. Dans l'aspiration maintenant, il a voulu peut-être prendre l'intérieur. Il a dû se raviser à la dernière seconde. Oh, encore une fois! Lazzaro et Barbosa. Tony Harvey maintenant qui va très largement vers la droite, côte à côte avec Barbosa. Et de l'autre côté maintenant, Lazzaro est bien sandwich. Et qui aura le dessus en bowling? C'est Tony Harvey qui a bousculé Barbosa pour prendre sa place. Attention au virage, Lazzaro à l'intérieur avec Barbosa côte à côte. Il est déporté vers la gauche et ça va favoriser Lazzaro au prochain virage. Oh! Oh, quel bagarre! Incroyable! Quelle course! Quel spectacle! Et Chuck West, là, qui revient côte à côte avec Barbosa, directement derrière Lazzaro. Barbosa qui change de direction, prend l'intérieur à Chuck West. Eh bien, quand on dit que Cleveland est invitant pour les pilotes, dernier tour maintenant. Dernier tour pour tout le monde en piste. Et finalement, West, là, est revenu devant Barbosa. Dérapage de West, mais il garde sa place néanmoins. Cleveland, c'est comme une partie de billard, Bertrand. Il faut constamment jouer en fonction du coup suivant et du coup suivant. Barbosa et West, toujours. Quelle lutte extraordinaire. Pendant ce temps, Bertrand Godin est presque sur son tour d'honneur, comme on dit. On va lui présenter le drapeau d'ami alors qu'il y a un pilote en dérapage. C'est Bob Thomas, pilote recru. Alors, j'allais dire donc que c'est presque le tour d'honneur pour Bertrand Godin. Il doit souhaiter là que pendant quelques mètres, tout fonctionne encore très bien sur sa voiture. Voilà Godin qui s'amène. Dernière portion du circuit, il revient tout près de la ligne des puits, salue ses coéquipiers, il voit le drapeau attaqué, deuxième victoire de suite de Bertrand Godin, et pour la deuxième place, ce sera au sprint, je pense que c'est Case Montgomery qui a eu le dessus sur Alex Barron. Oh! Quelle épreuve! Oh, le Godin, alors photo finish, hein, Pierre? Montgomery, voiture rouge. De justesse. Oh, par quelques centimètres à peine. Ouais, Godin, ça survient à temps. Début de saison un peu difficile. Cinquième à Homestead. Abandon à Long Beach. On sait qu'il avait fait un TTQ, avait tenté de repartir. S'était fait frapper. Dixième à Nazareth. Septième à Milwaukee. Ça allait mal. Taliani lui menait le championnat à son coéquipier. Et puis, victoire à Montréal, victoire à Cleveland. Alors, il a amassé 22 points à Montréal et 21 là en fin de semaine. Alors, au cours des deux dernières épreuves, Bertrand Godin a réussi à amasser presque le maximum possible, c'est-à-dire 43 sur 44. Oh, ben là, ça change radicalement le portrait de la course au championnat. Superbe performance de la part du pilote québécois. Qui évidemment soulève l'enthousiasme chez ses équipiers. Victoire donc
pour la première fois dans l'histoire de la Série Atlantique, victoire de Bertrand Godin à Cleveland devant Case Montgomery et Alex Barron. Alors, pendant qu'on revoit le classement final de l'épreuve, Bertrand, on a sévi à l'endroit d'Anthony Lazzaro, et avec raison, je pense. Hein? Oui, on l'a reculé des 5 positions qu'il avait gagnées illégalement après son tête-à-queue lorsqu'on roulait sous le drapeau jaune. Alors, il termine donc officiellement 11e. Allons retrouver Eric maintenant avec le gagnant. Et puis, Bertrand, pas trop inquiété durant la course? Pas trop, quoique j'ai perdu le pommeau dans mon levier de vitesse. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, j'étais plus capable. J'ai perdu le levier de vitesse et le pommeau s'est en allé dans le pédalier. Donc, des fois, ça allait coincer l'accélérateur et puis c'était assez difficile à conduire. Dès le départ, vous avez remarqué la malchance d'Alexandre. Est-ce que ça va ça, un petit peu? Ben, c'est sûr que c'est dommage parce que avec Alexandre, on était capable de faire 1-2, je suis certain, parce que toute l'équipe Players a fait tellement un fantastique travail sur la voiture. Donc, c'est vraiment dommage pour lui. Je crois que ma victoire est un peu la sienne aussi, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Très bel esprit sportif de la part de Bertrand. Et le prix super formant Yokohama, c'est pas étonnant. Case Montgomery, quelle conduite spectaculaire à Cleveland. Il est parti 9e et il a littéralement arraché une 2e position. Et on le retrouve tout de suite en compagnie d'Éric Descaries. Messieurs. Well, Case, wasn't too bad after all, was it? No, I'm sure we weren't the second fastest car, but, you know, through attrition, a little bit of luck, just keeping my nose clean. You know, we ended up second, close second. When we crossed the line, Alex and I were, I mean, it couldn't have been more than 6 inches or a foot, for sure. So it was great, you know. We got to thank the whole crew and the new crew, you know, Carlos Bulbeda, way to go. And, of course, the best mechanic around, Ken Klein, and the rest of them, my wife, to Simon, you know what I'm saying? I love it. It's great. Proud of the whole team and Microsoft and Wall Data. Here we go. We're back up, going towards the top. Thank you very much. Thank you. Alors, on vient de voir qu'il est très, très, très fier de son changement d'équipe. Naturellement, il remercie tout le monde de cette nouvelle équipe qui l'a amené vers la 2e position. Et vous l'avez entendu dire aussi qu'il était très près d'Alex Barron lorsqu'ils ont croisé le fil d'arrivée. Merci beaucoup, Eric. Alors, au classement, ça se resserre. Hein? C'est incroyable, Bertrand. 5 points d'avance maintenant pour Barron sur Bertrand Godin. Et malheureusement, Alexandre Taliani a glissé en 6e position. Allons retrouver à nouveau Eric en compagnie d'Alex Barron. C'est quite a bold move for the last laps of the race. Yeah, I was pretty far back, and my car took a long time to get good. Like, it took a lot of heat for the tires to make the car real good from front to rear. And I knew there was only a couple laps to go, and Memo and Case were moving out in the first turn, and thought I had a shot on the inside. And then on the exit, Memo's rear tire hit my left front. It was unfortunate. Wasn't nothing intentional. I feel really bad. Feel sorry for Memo. But you had a good race after all. Yeah, overall, it was a really good race. Had pretty close calls there at the beginning, and got the car to hook up after the heat in the tires and just work my way forward slowly but surely. Thank you. Thank you. Tout simplement qu'Alex nous a dit qu'au départ, sa voiture ne fonctionnait peut-être pas à son goût. Tranquillement, pas vite, la voiture a pris de la vitesse. Ça a été beaucoup mieux pour lui. Mais il s'est approché de Memo et les voitures se sont touchées. C'était tout simplement un accident de course. Tout simplement, il n'a pas d'autre explication que ça. C'est peut-être ce qui donne un peu son air un petit peu ici soucieux. Alors, de retour à Pierre. Merci beaucoup, Eric. Prochaine épreuve, Formule 1, Grand Prix d'Allemagne. Qualif samedi le 26, la course dimanche le 27. 7h et 8h AM, respectivement, heure avancée de l'Est. Molson Indy de Toronto, dimanche le 20 juillet, 13h30. Nous serons en ondes en direct pour vous présenter l'épreuve. Prochaine épreuve de la série Coupe Toyota Atlantique, le Challenge Players de Toronto, lundi le 28, en début de soirée. Voilà, c'est tout. Ici Pierre Houle, au nom de Bertrand Houle, Éric Descaries et toute l'équipe. Au revoir et à la prochaine.